Spectateurs, vous allez entendre une version latine d'Édipe au roi et voir des tableaux vivants qui ne correspondent pas aux paroles. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire, et comme l'opéra oratorio ne conserve des scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai au fur et à mesure le drame de Sophocle. Sans le savoir, Édipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elles lui tendent, depuis sa naissance, un piège que vous allez voir se fermer là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la peste. Le cœur supplie Édipe de sauver sa ville. Édipe a vaincu le sphinx. Il promet. Le tableau vivant représente l'arrivée de la peste, une nuit à Thèbes. Egidibus vos dirigo.
Frère d'Édipe, reviens de consulter l'oracle. Athéna, la raisonnable, s'attriste. L'oracle exige qu'on punisse le meurtre de Laïus. L'assassin se cache dans Thèbes. Il faut le découvrir coûte que coûte. Édipe se vante de son adresse à deviner les énigmes. Il découvrira et chassera l'assassin. Vous voyez la tristesse d'Athéna. Sauterelle de l'été grec. Regis, Regis, la hyper,
La scène vous montre les oracles. Édipe et Jocaste interrogent la fontaine de vérité. Tirésias, le devin. Tirésias évite de répondre. Il n'ignore plus qu'Édipe est joué par les dieux sans cœur. Ce silence irrite Édipe. Il accuse Créon de vouloir le trône et Tirésias d'être son complice. Révolté par cette attitude injuste, Tirésias se décide. La fontaine parle, voici l'oracle. L'assassin du roi est un roi. Dicam, dicam, quod dixit.
stipendarius est Tiresia, ac faginus ego salvo. Dispute des princes attire Jocaste. Vous allez l'entendre les calmer, leur faire honte de vociférer dans une ville malade. Elle ne croit pas aux oracles. Elle prouve que les oracles mentent. Par exemple, on avait prédit que Laïus mourrait par un fils d'elle. Or, Laïus a été assassiné par des voleurs au carrefour des trois routes de Doli et de Delphes. Trivium. Carrefour, retenez bien ce mot, il épouvante Édipe. Il se souvient qu'arrivant de Corinthe, avant sa rencontre avec le Sphinx, il a tué un vieillard au carrefour des trois routes. Si c'est Laïus que devenir, car il ne peut retourner à Corinthe, l'oracle l'ayant menacé de tuer son père et d'épouser sa mère. Il a peur. Vous avez vu le Sphinx. No, 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 no.
Oh,
Le tableau vivant représente le complexe d'Édipe. Le témoin du meurtre sort de l'ombre. Un messager annonce à Édipe la mort de Polybe et lui révèle qu'il n'était que son fils adoptif. Jocaste comprend. Elle tente de tirer Édipe en arrière. Elle se sauve. Édipe la croit honteuse d'être une femme de parvenue. C'est Édipe, si fière de deviner tout. Il est dans le piège. Il est le seul à ne pas s'en apercevoir. La vérité le frappe sur la tête. Il tombe. Il tombe de haut.
il monte de Reghico o por te battache Prescitori, prescitori, qui sedibus, genus sediboris via, scia. Pudet locastam fugit, pudet, pudet, edibus exulis, pudet ediboris generis, scia. Tableau vous montre trois mortes. Jocaste, la mère. Jocaste, l'épouse. Jocaste, la reine. Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre. La tête divine de Jocaste est morte. Monologue où le messager raconte la fin de Jocaste. Il peut à peine ouvrir la bouche. Le cœur emprunte son rôle et l'aide à dire comment la reine s'est pendue et comment Œdipe s'est crevé les yeux avec son agrafe d'or. Ensuite, c'est l'épilogue. Le dernier tableau vivant vous présentera Œdipe aveugle, ses filles et le cœur. Leur roi est pris. Il veut se montrer à tous, montrer la bête immonde, l'inceste, le parricide, le fou. On le chasse avec une extrême douceur. Adieu, adieu, pauvre Œdipe.
Adieu, Édipe. On t'aimait.